Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui a pour titre Mystery World, donc les lieux les plus insolites. Ensemble, nous allons découvrir ou redécouvrir pour certains des lieux insolites, on peut dire ça, insolites, mystérieux, avec des légendes. Et pour ce cette première sortie, cette première balade, j'aime bien, je répète après toi, c'est cool. Nous rendons à la chapelle Sainte-Godelaine, qui se situe à Vierre-et-Froid, dans le hameau de Londefort. Elle est forte. Allez, c'est parti. Il faut entrer dans un magnifique parc verdoyant et arboré pour descendre sereinement le chemin menant à la chapelle. Elle est aussi répertoriée pour être une chapelle à loques, un endroit où les personnes peuvent venir déposer un objet, un bijou, un vêtement ayant un rapport direct avec leurs vœux, qu'ils soient de guérison, d'une aide miraculeuse ou en simple remerciement. Les loques sont déposées la plupart près de l'autel. Sur les murs, on peut y voir de nombreuses plaques de remerciements. Dans un coin de la chapelle se trouve un cahier, un bout de papier, où l'on peut inscrire nos prières, nos vœux à Sainte-Godelaine. Voici de nombreux messages que l'on peut trouver, écrits par des personnes dans le besoin. Sainte-Godelaine, protégez-nous, toute ma famille. Sainte-Godelaine, faites que mon petit-fils réussisse dans ses examens. Je vous remercie à l'avance, priez pour lui.
Sainte-Gaudelaine, faites guérir mon pote Anthony de sa dépression envers Périne. Et on voit beaucoup de témoignages envers des problèmes de santé ainsi qu'envers des problèmes de couple. Sainte-Gaudelaine, priez pour Chippy. Dernière opération de ses chaînes, ma mère demain, protégez-la. Il est aussi possible d'y allumer un cierge que l'on trouvera à l'entrée du parc. Gaudelaine est née en 1049 à Vierre-et-Froid. Elle avait pour unique volonté de se consacrer à Dieu et aux plus démunis. Mais elle était d'une telle beauté qu'elle attira les convoitises de nombreux hommes. Un seul d'entre eux fut tenace, il s'agit de Bertolf de Gistel. Il joua de ses relations auprès du comte de Boulogne et elle dut céder et l'épouser. Mais lorsque fut venu le jour des noces, Bertolf de Gistel se désintéressa d'elle. Il fut méprisant, hautain et la força à quitter au plus vite le manoir de son père pour aller vivre dans son château dans les Flandres belges. Avant de quitter le manoir de son père, Gaudelaine planta une quenouille dans le petit bois jouxtant le manoir. De cette plante jaillit une source, la dite source que l'on trouve aujourd'hui dans la chapelle. Après son départ, Gaudelaine vécut un enfer. Son mari et sa belle-mère la séquestra, l'humiliaient, l'affamaient et la battaient. Elle s'échappa et revint chez son père. La haine de son mari fut encore pire après que Gaudelaine le pardonna. Il chercha à se débarrasser d'elle. Elle fut réveillée à l'aube du 6 juillet 1070 par deux hommes. Après l'avoir emmenée près d'un point d'eau, il l'étrangla et la noya avant de la déposer dans son lit pour que sa mort passe comme étant soudaine. Sa mort ne fut que le début de son histoire. On raconte qu'à l'endroit où elle s'est débattue, où son sang a coulé, le sol s'est changé en marbre blanc. Fait qui atteste de la pureté originelle de Gaudelaine. Sa gentillesse et sa charité étaient tellement grandes qu'une foule immense se déplaça lors de ses obsèques. Les plus démunis y reçurent des pains qui se multiplièrent comme par miracle afin que personne n'en manque. L'eau dans laquelle elle fut noyée commença à attirer des infirmes et des malades et on raconta que des miracles commençaient à s'y produire. Edith, la fille d'une nouvelle union de Bertolf de Gistel qui est née aveugle, fut une des personnes miraculées. Elle recouvrit la vue après l'avoir bu dans l'étang où Gaudelaine fut noyée. D'après l'histoire, il semblerait que la chevelure noire corbeau de Gaudelaine, montrant des origines romaines, fut la base du désintéressement et des violences faites par son mari et sa belle-mère. À l'époque, il était mal vu et honteux de s'unir à une personne ayant une chevelure et des yeux foncés. Voilà, j'espère que cette première émission vous a plu. C'était certes un peu court, mais bon, comme vous le savez, c'est un lieu où énormément de personnes se recueillent.
Ça n'a pas été facile de tourner cet épisode, donc j'espère que ça vous a plu. Camille, donc, qui a eu cette brillante idée de vous proposer cette émission, va vous dire un petit mot par rapport à cet épisode. Donc voilà, j'aimerais revenir avec vous sur le fait que lorsque vous ferez une future visite dans ce lieu, si vous n'y êtes jamais allé, de bien respecter les lieux, que ce soit la chapelle, le parc ou encore les animaux. Vous pourrez constater sur place que la sérénité, la paix s'y trouve. Lorsqu'on pénètre dans la chapelle, hein, tu peux confirmer, le silence est de mise, on s'y oblige obligatoirement, tellement le lieu est apaisant. J'aimerais aussi revenir avec vous sur le fait que j'ai mesuré sur place la géobiologie vibratoire du lieu. Donc je suis quelqu'un qui aime bien mesurer les énergies vibratoires des lieux afin de vérifier si elles sont pleines de bonnes énergies ou de mauvaises énergies. Et comme on peut le savoir, si vous faites des recherches internet sur la géobiologie vibratoire des lieux, notamment des églises, certaines églises la plupart des églises même, ou abbayes ou chapelles, sont construites à des endroits stratégiques en fonction des champs telluriques, des lignes de Greenwich, etc. Et donc c'est vraiment des plans stratégiques afin que les bonnes énergies rayonnent à certains endroits de certaines églises, abbayes, etc. Donc à cet endroit-là, même si on suppose que cette chapelle a été érigée uniquement pour la source, j'ai pu quand même mesurer que le champ vibratoire qu'il y avait dans cette chapelle est supérieur à 4 millions. Donc ce qui est quelque chose de très très fort. De toute façon, je pense que c'est pour cela que le lieu impose le respect, la paix et les bonnes ondes. Donc vous pouvez consommer sans regret l'eau qui coule de cette source, bien sûr à petite quantité je pense, parce que c'est une source donc non traitée, mais au niveau des énergies elle est très très bonne, parce que comme je le disais dans la vidéo, j'ai moi-même fait un test avec une simple bouteille d'eau sur laquelle j'ai retiré le code barre, parce que les codes barres ont des mauvaises énergies sur les aliments, sur l'eau qui était contenue dans cette bouteille d'eau, elle ne vibrait qu'à 5000 unités bovis. Tandis que là, la source vibre quand même à 4 millions. Donc vous pouvez y aller, l'énergie est très très bonne. Et effectivement, elle peut vous aider lorsque vous avez des soucis de santé ou autre. Donc je vais terminer cette vidéo en proposant éventuellement aux personnes qui ont déjà vécu des miracles suite à cette... Non, vas-y, tu peux reprendre. Suite à... À quoi ? Donc j'aimerais éventuellement inviter les personnes qui ont déjà vécu des miracles ou des bonnes actions, qui ont eu de bons retours suite à la visite de ce lieu, à venir nous contacter sur la page... Sur la page Mystery World, tout simplement, que vous pouvez retrouver sur Facebook. Vous avez juste à suivre le lien dans la description de la vidéo. Et voilà, donc cette vidéo sera mise aussi sur les admirateurs de la Côte d'Opale. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous. Pourquoi pas éventuellement faire une rencontre sur ce lieu pour avoir vos témoignages. Ou alors, tout simplement, pour nous donner d'autres lieux où on pourrait imager et documenter ceci. Voilà. On voulait remercier aussi la page Les Admirateurs de la Côte d'Opale qui nous ont vachement aidés. Nous ont donné pas mal de lieux avec des légendes et des mystères super intéressants qui feront l'objet de futures vidéos. Ouais, et les autres vidéos seront beaucoup mieux, beaucoup plus documentées, parce qu'il faut savoir que c'est un lieu où énormément de personnes se recueillent, donc il y a du respect à avoir, etc. Et on peut pas faire tout ce qu'on veut, étant donné que il y a eu énormément de monde. En plus, c'était un jour où il faisait un grand soleil, donc c'est un petit peu compliqué. On devait rentrer, ressortir. Du coup, l'épisode dure à peu près 20 minutes. On est resté sur place 1h30, je crois, 2h, ouais. Facilement. Donc, j'espère que ça vous a plu quand même. On nous voit très peu dans cet épisode, mais bon, après, le but c'est de vous faire découvrir des lieux, etc. Et si des personnes qui étaient présentes ce jour-là sur le lieu nous ont trouvé un peu farfelu, ne vous inquiétez pas, c'était parce qu'on était en train de réaliser ce documentaire. Voilà, donc il n'y a pas paniqué. Voilà. Bon, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? En route pour de nouvelles aventures. Ok, bon tu mets ton menton, ça va. Allez, gros bisous à tous, portez-vous bien. Ciao. Salut.